Pierre Jacquemot, bonjour. Oui, bonjour, Hichem. Vous êtes ancien diplomate, universitaire, essayiste. Vous étiez en poste dans 7 pays en Afrique. Je cite le Cameroun, le Kenya, la RDC, le Sénégal, le Burkina et même en Algérie à vos débuts dans ce métier. Vous venez de, il y a quelques mois, publié un livre qui s'appelle Souveraineté agricole et alimentaire en Afrique, La Reconquête, aux éditions L'Harmattan. Il entre en résonance avec aujourd'hui la problématique sur la sécurité alimentaire et sur. Il entre en résonance avec la crise ukrainienne qui pose tout ce problème qu'on retrouve en Afrique sur. Le développement de l'agriculture. Pourquoi l'Afrique a-t-elle raté cette marche? Effectivement, on peut parler de ratage. Les politiques de sécurité alimentaire affichées par les gouvernements africains depuis une quinzaine d'années avouent leur échec à l'occasion de la crise ukrainienne qui intervient de manière violente sur les équilibres fondamentaux pour l'alimentation des populations du continent africain. Alors, ce n'est pas seulement la crise ukrainienne, puisque la crise ukrainienne suit une tendance très défavorable. On sait que pendant les années 2019-2020, il y a eu de graves sécheresses et de calamités naturelles qui ont affecté l'agriculture africaine. Et puis, Oui. évidemment, la pandémie de la COVID a Oui. également entravé les échanges et l'activité de production. Donc, la crise ukrainienne sur les céréales, sur les légumineuses, sur les intrants, vient amplifier en quelque sorte une crise de plus longue durée. Oui. Alors concrètement, vous avez dans ce livre abordé, il y a des questions structurelles liées à cet univers de l'agriculture, le foncier, les habitudes entre les nomades et puis les sédentaires. Il y a des questions essentielles qui commandent ce rapport avec la terre et en Afrique, on a l'impression que vraiment on a raté le modèle de développement lié à cette réalité et sa complexité. Oui, alors pourquoi cet échec que vous évoquez, pourquoi cette situation en fait d'insécurité alimentaire que l'on peut rencontrer pratiquement dans les 54 pays africains, hein, que ce soit les pays du Maghreb ou d'Afrique du Sud ou les pays sahéliens, la situation est aujourd'hui extrêmement, extrêmement grave. Bah, d'abord parce que les gouvernements n'ont pas respecté leur engagement, les engagements pris en direction de l'agriculture. Des engagements réitérés à l'occasion de déclarations. La déclaration de Malabo, celle de 2014, imposait aux États d'accorder au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture, ce qui n'a pratiquement jamais été respecté par les pays. Et c'est révélateur d'un désintérêt relatif envers les questions agricoles et alimentaires de la plupart des États. Alimentaire et nutritionnel, qui a évidemment un volet très important. La deuxième chose, c'est que pourquoi il y a ce désintérêt? Si on regarde les choses, c'est qu'il y a en Afrique une rente aux importations. Il est beaucoup plus facile d'importer des céréales comme du blé ou du maïs que de produire du maïs ou du manioc. Voilà. Et donc il y a des rentes et les importateurs jouent un rôle assez pernicieux sur les marchés et les grands boubous, comme on peut les appeler dans certains pays sahéliens, ont une influence importante sur les politiques. Et donc on est dans un système où les importateurs en plus trouvent sur les marchés internationaux des produits souvent de gamme assez moyenne, des brisures de riz à des prix de déstockage. Du fait de cette ouverture des pays africains aux importations, on se retrouve avec des céréales importées qui concurrencent à bas prix, qui concurrencent évidemment des productions locales. C'est flagrant en ce qui concerne le riz. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs comme ça péjoratifs
qui sont défavorables à la sécurité alimentaire. Et si vous le permettez, j'ajouterai un troisième facteur, c'est celui des villes. L'urbanisation croissante, un Africain sur deux habite en ville aujourd'hui, et les habitudes de consommation des urbains changent vers plus de produits transformés, vers des céréales importées, vers des légumineuses importées. Et ceci est un facteur aussi défavorable pour la production agricole et pour obtenir ce que moi j'appelle la souveraineté alimentaire. On le sait, 60% des terres arables se trouvent en Afrique. Alors, est-ce que comment rattraper tout cela? Est-ce que l'Afrique a les moyens de pouvoir, depuis 3 ou 4 ans déjà, il y a une amorce des changements qu'on observe, mais est-ce que vraiment ça sera le bon tempo pour rattraper un retard considérable dans ce domaine? Oui, alors il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme le dit le proverbe populaire, il n'est jamais trop tard et on peut identifier ça et là des facteurs favorables dans un certain nombre de dynamiques qu'on observe. La première chose, c'est que il faut produire autrement et il faut produire plus en Afrique. Produire autrement, ça veut dire qu'il faut passer à une agriculture intensive plutôt qu'une agriculture extensive. Vous évoquez les terres disponibles, mais il faut voir que les réserves en terres disponibles ne sont pas totalement infinies, à moins de remettre en cause le capital forestier, à moins de remettre en cause les terres de parcours des pasteurs, etc., etc. Donc il y a quand même des limites foncières importantes et l'accent doit être mis davantage sur l'intensification. Mais pas n'importe quelle intensification, parce que c'est une intensification qui suppose des engrais importés d'Europe. On voit bien qu'une crise telle que celle que l'on connaît actuellement avec l'Ukraine peut être péjorative. Donc il faut produire autrement et il faut recourir aux principes de l'agroécologie qui maintenant sont reconnus comme étant les plus pertinents pour répondre aux problématiques africaines en matière d'agriculture. Deuxièmement, il faut s'appuyer, et ça j'y tiens beaucoup parce qu'on ne dit pas assez, il faut s'appuyer sur des acteurs de changement qui aujourd'hui commencent à faire bouger les choses. C'est-à-dire. Le premier acteur de changement, en fait, ce sont des actrices, ce sont les femmes. Et on peut se rendre compte de tout ce qui s'est passé depuis ces 20 dernières années de favorable, et plus largement, je serais prêt à le démontrer en matière de croissance économique et d'amélioration du sort des Africains vient des femmes. À chaque fois qu'elles arrivent à conquérir une autonomie, elles changent les choses. Et là, on a un acteur de changement fondamental qui sont les femmes. Sur l'ensemble de la filière alimentaire, et en particulier la transformation, la commercialisation. Un autre acteur, ce sont les jeunes, hein, qui cherchent à s'insérer dans le tissu agricole et qui doivent trouver dans les communautés traditionnelles, leur place, qui n'est pas toujours facile, puisqu'on sait très bien que le lignage repose sur une relation aîné-cadet qui peut être défavorable au cadet. Et puis enfin, autour des villes, sont arrivés de nouveaux acteurs, qui sont moi je les appelle les agri-entrepreneurs, qui en proximité des villes, dans un rayon d'action d'une dizaine de kilomètres, développe des activités autour du fruitier, des légumes, des céréales sèches, sur des bases commerciales. Hein, il s'agit bien d'activités rentables. Ces agri-entrepreneurs, on les retrouve chez beaucoup d'urbains, on trouve parfois chez d'anciens fonctionnaires, on trouve chez un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs entrepreneurs, qui ont le sens des affaires et qui peuvent modifier pas mal les choses dans le contexte africain d'aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, avec les retards structurels de l'Afrique, est-ce que les nouvelles technologies, concrètement, peut-on utiliser ces nouvelles technologies pour rattraper justement ce retard? Et quand on voit aussi, on met en parallèle
Ce problème d'électrification en Afrique qui pose un réel problème dans pas mal de pays africains, c'est comment concilier ces éléments qui sont assez paradoxaux, hein? Oui. Bah, les bolcheviks disaient que le changement, c'est l'organisation et l'électrification. Là, on est un peu dans une problématique identique, sauf qu'on pourrait ajouter la téléphonie mobile comme acteur de changement. Alors, effectivement, il y a la question de l'électrification rurale est fondamentale. Et là, il y a des changements assez spectaculaires dans ce qu'on appelle le hors-réseau, c'est-à-dire dans le recours au solaire, quelquefois à l'éolien, quelquefois à l'hydraulique, lorsque les circonstances sont favorables, et qui modifie complètement la réalité du monde rural, puisque ça donne la possibilité non seulement de faire de l'irrigation, mais également de faire de la réfrigération, de faire toute une série d'activités artisanale fondamentale pour la vie du monde rural. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent en matière d'électrification rurale. Si vous ajoutez à ça la diffusion de la téléphonie mobile et la possibilité qui est donnée du fait de l'accès, lorsque vous avez un smartphone, bien évidemment, d'avoir accès à toute une série d'informations, des informations sur le climat, sur les perspectives météorologique à court terme, mais également des informations sur les techniques agricoles, sur l'état des marchés, les prix offerts sur les différents marchés, sur l'état des routes. Vous avez tout un environnement au bénéfice du paysan qui s'améliore très 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 sensiblement. Et les jeunes ruraux que j'évoquais tout à l'heure, mais également les femmes, sont particulièrement dynamiques sur l'usage intelligent des ressources de la téléphonie mobile. Oui, mais quand même, quand on voit, par exemple, c'est les besoins de l'Afrique aujourd'hui, ça que toutes ces expériences dont vous parliez restent très limitées. Ça que l'Afrique a besoin de massifier, même si peut-être ce terme est mal choisi, mais elle a besoin de généraliser, en tout cas, à l'ensemble du continent, ces bonnes pratiques, cette vision pour accélérer le développement. C'est ça la question aujourd'hui qui se pose. Oui, vous avez tout à fait raison. La question du passage à l'échelle, c'est-à-dire sortir des micro-réalisations très sympathiques, souvent amenées par des associations, des ONG, tout ça c'est Absolument. très bien. Quelquefois financé par des fondations, hein, des fondations internationales, on trouve les grandes fondations impliquées sur ce genre de choses, et qui améliorent le sort des paysans, la paysannerie, qui accroît la production, améliore les chaînes de valeur des productions jusque vers les villes pour atteindre les marchés urbains. Tout ceci, il faut passer à une échelle beaucoup plus importante. Mais pour ce faire, il faut des politiques cohérentes. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains de vos auditeurs, certains de vos lecteurs. Je pense que la protection aux frontières provisoire peut s'imposer lorsque on a affaire à des importations de dumping pour essayer de préserver, essayer de sauver ou essayer de stimuler la production de céréales ou de légumineuses locales. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, il faut une politique des États. Il faut aussi un système de financement. Il n'y a pas de financement pertinent pour l'agriculture dans le contexte africain. Le financement ne profite que aux agri-entrepreneurs qui peuvent supporter des coûts élevés. Mais le système financier, le système bancaire ne considère pas l'agriculture paysanne comme étant intéressante du point de vue financier. Donc il faut stimuler le financement par d'autres moyens et le microcrédit reste bien évidemment le plus adapté dans beaucoup de contextes. Et puis enfin, il faut une politique cohérente des États en direction de l'agriculture, c'est-à-dire jouer le jeu des organisations de producteurs, être à l'écoute des organisations de femmes, des organisations de jeunes, tous ceux qui veulent stimuler la production intérieure et conquérir la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire jouer sur le maximum de paramètres
de paramètres pour faire évoluer les choses. Vous écriviez la reconquête des souverainetés fondamentales, agricoles, pastorales, halieutiques, alimentaires, est assurément le grand projet africain pour la décennie, celle de l'invention de la nouvelle socio-économie post-Covid. Pour que ça ne reste pas un exercice rhétorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, on voit, a besoin d'urgence. Et surtout, les défis s'installent sur le long cours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui demandent du temps pour se réaliser. C'est-à-dire que comment arbitrer entre tout ça? Bah écoutez, je pense qu'il faut, encore une fois, un volontarisme de la part des États, ce qui a manqué souvent. Une réorientation des politiques agricoles sur moins d'intérêts accordés aux produits d'exportation, même s'ils peuvent générer des ressources financières qui ensuite sont allouées au bénéfice de l'agriculture, en particulier de l'agriculture paysanne. Mais la primauté qui a toujours été accordée aussi bien au café, cacao, au thé, à l'EVA ou à d'autres productions de ce type tournées vers l'exportation, a très largement pénalisé l'agriculture tournée vers le marché intérieur. Donc il y a des actions à mener de la part des États, mais il y a également une conception régionale. Alors, est-ce qu'il faut raisonner dans le cadre de la nouvelle zone de libre-échange continentale à 54 pays? C'est un peu compliqué, mais incontestablement, il y a l'échelle territoriale. Dans mon livre, j'évoque un concept qui me paraît très très important et très intéressant, qui relève du territoire, qui est celui des aires alimentaires métropolisées, c'est-à-dire ces espaces, ces écosystèmes qui s'organisent autour des villes et des grandes agglomérations, autour d'une dizaine de kilomètres, où on retrouve à peu près 70% de la population africaine, et on peut, de manière intelligente, optimiser en quelque sorte les différentes fonctions qui s'articulent autour de ces aires qui sont aussi bien rurales qu'urbaines. Vous savez aussi qu'en Afrique, la ville nourrit la ville. Quand on voit l'activité maraîchère périurbaine, voire même à l'intérieur de certaines villes, à Kinshasa, le moindre espace agricole est utilisé pendant la saison agricole. Mais c'est valable aussi à Bamako, par exemple. Voilà. Donc, il y a une échelle territoriale qui est à mettre en place et qui doit trouver une cohérence. Alors, on parlait de pastoralisme tout à l'heure. Oui. On sait que c'est l'activité pastorale du Sahel qui alimente les pays côtiers. Il y a une sécurité à apporter dans ces couloirs, ces corridors, ces aires de pâturage, ces aires d'abreuvement en eau, pour optimiser en quelque sorte cette fonction. Ce qui n'est pas le cas. Les pays côtiers deviennent de plus en plus réticents à ces transhumances indispensables pour le bon équilibre nutritionnel en viande des populations. Il y a également sur le secteur halieutique, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le secteur de la pêche, pour optimiser l'activité de pêche et être moins pénalisé par les accords de pêche au bénéfice d'un certain nombre de pays, que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, et qui viennent, comment dirais-je, pénaliser, éradiquer la ressource halieutique avec des chalutiers où l'intégralité de la pêche se trouve transformée plutôt que déposée à terre. Donc il y a un basculement complet, il y a un changement radical à opérer autour de ce concept qui est, à mon avis, très fort, qui est maintenant devenu assez commun, qui est celui de souveraineté, qui est plus fort que celui, le concept de sécurité. De souveraineté alimentaire, ça veut dire qu'on maîtrise l'ensemble des paramètres pour pouvoir assurer la couverture des besoins de base fondamentaux des populations. De par votre expérience, cette riche expérience dans sept pays africains, je le disais au début, la RDC, le Cameroun, le Kenya, des pays anglophones et des pays francophones, et vous avez ce recul nécessaire. Comment jugez-vous aujourd'hui, vous qui enseignez à Sciences Po, à des étudiants étrangers qui viennent en quête de savoir sur le soft power français sur l'Afrique? C'est que comment voyez-vous ce recul français en Afrique et un déclassement programmé, en tout cas
sur ce continent? Bah écoutez, sur le terrain qui est celui que nous évoquons depuis le début de notre entretien, qui est celui des questions agricoles et alimentaires, j'observe pas de déclassement. Je vous donner un exemple. L'institution qui connaît le mieux et qui a fait le plus de recherches sur ces questions s'appelle le CIRAD. Il est basé à Montpellier. C'est un laboratoire internationalement connu qui doit être le deuxième laboratoire de recherche au monde sur ces questions en matière d'agronomie tropicale. Eh bien, le CIRAD entretient des relations extraordinaires avec l'ensemble de ses partenaires, c'est-à-dire les laboratoires africains, mais également conduit des actions de conseil au bénéfice des différentes organisations paysannes. Et donc là, il y a une relation qui s'est nouée depuis très longtemps, hein, parce que le CIRAD, c'est un produit de l'histoire coloniale française, mais a complètement évolué et complètement changé de façon de faire, évidemment, depuis 60 ans. Et là, vous voyez, il y a un lien qui se noue. Il se trouve que j'appartiens aussi à un réseau d'ONG françaises, près de 2000 personnes, c'est quand même assez conséquent, sur ces questions agricoles et alimentaires et nutritionnelles, je rajoute. Il y a une qualité de relation qui peut se nouer entre partenaires qui se parlent, voilà, qui se parlent franchement et avec une volonté de restituer des savoir-faire. Et on n'est absolument pas dans cet univers désenchanté que vous évoquez, voire avec un sentiment anti-français. En tout cas, nous ne le vivons pas au quotidien dans nos relations. Mais votre expérience va au-delà de l'agriculture. C'est ce que je voulais dire en réalité. C'est-à-dire que cette France qui a une expertise unique avec la Grande-Bretagne sur ce continent, c'est que comment aujourd'hui expliquer ce décalage et cette espèce de qui est une réalité. En fait, il y a une attirance, répulsion par rapport à ce continent. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut réparer les dégâts qu'on voit et ce fossé qui se creuse entre la France justement et la partie francophone particulièrement en Afrique. Oui, bon, insister sur la partie francophone, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé au Kenya et au Ghana. Je n'ai pas vécu ce sentiment anti-français. Je dirais que c'est même complètement l'inverse. Il y avait une appétence de France très, très Absolument. manifeste, aussi bien en Nairobi qu'à Accra. Une appétence de Français aussi, parce que je rappelle que Nairobi a la deuxième alliance française au monde après celle du Mexico. Donc il y a une demande de France. Donc c'est vraiment très localisé. Ça résulte d'un certain nombre de enfin, les raisons sont multiples, hein. Bon, il y a eu incontestablement un certain nombre de maladresses historiques dans le discours qui a pu être porté par un certain nombre de chefs d'État français sur l'Afrique et qui résultait d'une méconnaissance de ces réalités. Mais il y a surtout une crise importante en particulier dans les villes africaines, parmi la jeunesse, et une quête d'un bouc émissaire facile, qui est évidemment l'ancienne puissance coloniale, et qui peut être amplifiée lorsqu'il y a des hommes en uniforme, comme à Bamako, à Ouagadougou ou à Niamey, il y a des hommes en uniforme qui occupent les hôtels, etc., ce qui donne l'impression d'une occupation qui se perpétue après la colonisation. Donc il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir. À mon avis, on peut agir en ayant un autre type de discours, un autre type de regard, en essayant d'identifier les acteurs que j'appelle les acteurs de changement, hein, en évitant de soutenir des régimes qui préconisent un troisième mandat. Comment dirais-je, torpille les élections avec des. Et voilà, en ayant un discours assez ferme, s'appuyant sur les instances régionales, en évitant de s'impliquer ou de, comment dirais-je, de se substituer aux instances régionales. Je pense à la CDEAO dans le regard qu'il porte sur le Mali, sur le Burkina ou la Guinée. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis surtout, et c'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est
d'entretenir au niveau du terrain un autre dialogue, un Oui. vrai dialogue de partenariat d'égal à égal, c'est-à-dire on apprend les uns les autres, on n'est pas dans cette relation d'aide, j'aime pas du tout le mot aide publique au développement, qui Oui. est une relation qui introduit une relation asymétrique entre celui qui donne et celui qui reçoit. Moi, j'ai été coopérant à une époque de ma vie. J'aimais bien ce mot coopérer. Peut-être c'est un mot qu'il faudrait réhabiliter, celui de coopération, de faire ensemble. Voilà. Donc, il y a tout un champ ouvert pour améliorer cette relation et la rendre à la fois plus professionnelle, sans oublier la dimension, j'allais dire amicale, voire affective qu'on peut nouer, et qui est dans les relations humaines indispensable. Pour apprécier la profondeur de votre connaissance du continent, je rappelle que certains d'entre vous peuvent se reporter sur les livres que vous avez écrits, plusieurs livres sur l'Afrique. Vous enseignez à Sciences Po, donc il y a tout. Je tiens à vous remercier, Pierre Jacquemot, d'avoir permis d'éclairer sur notamment la dimension agricole en Afrique, et je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. À bientôt.